Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu super, mais surtout super flippant. Je veux parler de Fear First Encounter Assault Recon. Mais bon, sans plus attendre, on va regarder la petite cinématique d'intro, puis ensuite je vous parlerai un peu du jeu. Allez hop, on lance ça maintenant. Voilà, donc j'ai eu un... j'ai eu 17 secondes d'enregistrement et pouf, ça a planté. Bon allez, je me lance un défi, ne pas faire durer ce test plus d'une heure. Il est donc 4h40... Ça doit donc se terminer à 5h40, on va tenter ça. Allez hop, un joueur, nouvelle partie, difficulté faible. Et oh, je suis un noob moi, hein. Pas de nouveauté ça. Vous voyez certains plantages des fois. Voilà. Donc je rappelle à... Ah non, plus jeune. Ah non, mais c'est pas encore fini. Je me tais. Désolé de vous réveiller, monsieur le sénateur. Il s'agit d'Origine. Que se passe-t-il? Il y a eu un soulèvement. Fettel a pris le contrôle des prototypes. Mon Dieu. Nous pouvons toujours régler ça sans faire trop de vagues, mais nous devons faire vite. Bon, d'accord. Je vais passer quelques coups de fil. Fais donc. Bon là, c'est un peu le briefing de mission, c'est lui, là, donc voilà. Si nous arrivons à le maîtriser, nous... J'ai pas envie de me taper ça, merde, passer à séquence. On a vu la scène la plus intéressante. Voilà, là on rencontre notre ennemi dans le jeu, enfin un de nos ennemis. Il s'agit de Paxton Fettel. Non. Là, la voix que vous entendez, ben, j'ai pas envie de vous spoiler en fait, donc je vais pas vous dire qui c'est. Tu seras un dieu parmi les hommes. Ah, il était joli mon petit rire là. Bon alors, Fear, qu'est-ce que nous c'est? Nous avons localisé Fettel dans putain, un bâtiment pas abandonné. Leur gueule, je veux parler aussi là. Il n'y aurait aucun signe d'activité ennemie, mais restez prudents. Jankowski, vous êtes en position? C'est quand vous voulez. Ok, c'est parti. Ok, je tourne à 16 FPS, c'est magnifique. Merci Fraps. Bon, en fait, quand on est en jeu, ça tourne un peu mieux. Alors, Fear, qu'est-ce que c'est? Ah merde, j'ai oublié toutes mes touches. Ah voilà. Alors il y a des effets bizarres là quand je tire sur la vitre. Des effets de fumée. C'est assez étrange. Oui, donc Fear, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur. On vous le cachera pas. Hein. D'ailleurs, on vous rappelle aux plus jeunes qui nous regardent que bon, ils vont probablement s'en foutre. Mais s'il y a des parents qui regardent ça et qui font pas montrer ce test à leurs enfants, ni leur permettre de jouer au jeu, parce que c'est quand même un jeu qui est interdit au moins de 12 ou de 16 ans, je ne sais plus. Mais c'est un jeu qui fait très peur, moi qui ai 24 ans, je flippe encore ma race en y jouant, donc je vais probablement pousser des cris de fillette. Ensuite, dans Fear, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut péter des planches, ouais, mais là j'ai pas envie de le faire parce qu'il y a une technique pour passer par-dessus la porte que j'avais vu dans un speedrun. J'ai mis un moment à réussir à la faire, hein. Et après, bah, bien sûr, je peux péter les planches de l'autre côté, ce qui n'a aucun sens, pour me permettre de passer. Voilà. Donc bah, vous constatez que c'est assez joli, hein. C'est un jeu qui a été créé il y a quand même quelques années, je ne sais plus, qui est édité par Vivendi Universal, on le précise. Ensuite il y en a certains qui se demanderont, mais pourquoi tu nous fais un test de... C'était dégueulasse ce que j'ai fait là. Il y en a certains qui me diront, ouais, mais pourquoi tu nous fais un bonus stage sur un jeu solo, alors que d'habitude c'est bien précisé dans votre générique que vous vous spécialisez dans les MMO, bah voilà, parce que j'ai envie quoi. Je sais que le test sur Portal par Adret était là il n'y a pas longtemps, mais en même temps, bah voilà quoi, j'ai eu envie. Donc les principales ennemis qu'on va rencontrer dans ce jeu, c'est les unités réplica, c'est des unités, je vous ai pas passé la séquence donc je vais vous expliquer en gros. Paxton Fettel, celui qu'on a vu bouffer un espèce de scientifique là, contrôle les unités réplica. Les unités réplica, c'est des genres de super soldats. Enfin, voilà, ça c'est le genre de truc qui vous fait flipper d'habitude quand vous faites pour la première fois. Si je peux faire tomber ce panneau, oui. Pourquoi suis-je ici? Ah putain. Pourquoi suis-je de nouveau ici? Alors, vous constatez que l'ambiance est assez flippante. Hein. Alors je disais donc, on aura Paxton Fettel comme ennemi. Et les unités réplica que Paxton Fettel contrôle psychiquement. Me demandez pas encore comment ça se fait, parce que là aussi ce serait du spoil.
Et bien sûr, celle que vous connaissez pas encore, mais dont je vais vous parler, puis qu'on va voir assez souvent, Alma. Alma, qu'est-ce que c'est? C'est une petite fille en robe rouge. Putain, ouais, bien sûr, son garde du point de passage, ça c'est chiant. C'est une petite fille en robe rouge, quoique elle a deux versions, la version adulte et la version petite fille en robe rouge. C'est du spoil ça, donc si vous voulez couper le son, vous gênez pas. D'ailleurs, cette vidéo sera un immense spoil, donc si voilà, si vous avez jamais joué à Fear, je vous conseille de la couper maintenant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là maintenant? Bah, Alma, version adulte ou version petite fille. Jean, on a besoin de vous ici. Et vous constaterez qu'elle est quasiment impossible à tuer, si ce n'est pas, si ce n'est impossible tout court. Bon, vous constaterez que votre chef et les autres vous parlent souvent. Ça, c'est un coup que j'ai appris à faire. Hein. Je peux vous jurer que, à partir du moment où le corbeau atteint ce point ici précisément, vous ne pouvez absolument plus shooter. Il faut vraiment être réactif à mort. Le seul défaut que je pourrais trouver à Fear, en fait, c'est que c'est hyper scripté, quoi. Une fois que vous avez fait le jeu une fois, vous savez exactement où apparaît Alma, où se trouve chaque ennemi, et du coup, il n'y a plus moyen de flipper, quoi. Donc, première mission, je connais un peu par cœur. Donc là, bah voilà, ça, normalement, ça devrait me faire flipper. Bah non, pas du tout, en fait. Voilà, je connais déjà le truc. Voilà, on a ici Paxton Fettel. Le mort s'appelait Charles Abegger. Je m'en souviens. Mais ces souvenirs sont-ils les miens ou les siens? Ça ne fait aucune différence. Ils méritaient de mourir. Ils méritent tous de mourir. Et vous constaterez que je connais un peu le dialogue par cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce jeu? Il a certaines bonnes idées que je vais vous montrer tout de suite. J'ai perdu le signal de Fettel. Que je vais vous montrer même maintenant. On a des halos de lumière pour le soleil, ce qui, même pour l'époque, est assez bien fait. Bon, par contre, les arbres, là, comme vous pouvez le voir, ils sont en 2D. Hein. Les feuilles, elles vous suivent quand vous tournez autour. Mais bon, en même temps, c'est des trucs qu'on peut pas croiser. En même temps, on voit qu'ils ont pas négligé le truc. Hein. On saute par-dessus les murs, on voit des voitures assez mal modélisées, mais on s'en fout. On voit la ville autour, par contre, il y a personne. Ça, je comprends pas, quoi. Ça leur a foulé de faire deux ou trois passants. Ensuite, c'est pas du Half-Life, hein, on peut pas ramasser tous les objets qu'on trouve. Ou bien si on peut, j'ai pas trouvé comment. Bah, par contre, on peut les déplacer, hein, voilà, avec des jolis petits bruits de planches. Puis voilà, c'est un jeu flippant, quoi. Là, vous constatez qu'il y a les hélicoptères tant promis, hein, vous avez pas entendu, mais en gros, on va aller devoir porter assistance à une bande de cons qui vont se faire dégommer du premier coup. D'ailleurs, Paxton Fettel ne vous tue pas. Il a de multiples occasions de vous tuer, mais il ne le fait pas. La seule qui en veut à votre vie, c'est Alma. Et déjà de retour, vu quelque chose. Et vous avez ici la seule femelle du jeu, Jin Sun Quan. Vous pouvez y aller. J'ai affaire ici pendant un bon moment. Qui, vous le constaterez, est sexy en diable. Respire. Allez, faites-la pousser. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé d'oublier de toutes mes forces. Ces hommes sont du Fear. Ils sont affectés à notre unité pour la durée de la mission. Ils seront en pointe. Leur mission est de déterminer la nature de la menace. La nôtre, de les garder en vie. N'engagez pas l'ennemi. Souvenez-vous que nous ne traitons pas avec des truands ordinaires. L'équipe 1 passera par le sud-ouest, et l'équipe 2 par le nord. Quand la reconnaissance est faite, nous nous retrouvons et nous attendons les ordres. Ok, monsieur. Ok, en route, les gars. Le fait est qu'au début du jeu, vous vous sentez jamais seul, hein, parce qu'on vous parle tout le temps, via oreillette et tout, mais plus vous avancez, moins on vous parle, plus vous vous sentez seul, en fait. On pourrait croire que le jeu est juste un FPS sans plus, mais c'est un FPS horrifique, et c'est ça qui le rend super bon, quoi. A noter que j'ai jamais fini le jeu. En même temps, j'ai regardé tellement de speedruns, de vidéos sur Fear via YouTube que je peux facilement vous faire un bonus stage là-dessus tout en ayant l'air de savoir de quoi je parle, parce que c'est le cas, je sais de quoi je parle. Ensuite, les cinématiques que vous avez vues là avec apparemment une femme en train d'accoucher, c'est les petites cinématiques qui ponctuent le jeu, qui sont toujours bienvenues. Et qui ponctue très bien l'action et qui vous encourage à aller voir plus loin, parce que oui, le scénario de ce jeu. Allons remuer tout ça.
N'en déplaise à certains et surtout à d'autres jeux horrifiques qui se foutent vraiment pas le cul pour faire des scénarios potables. Hein. D'autres jeux horrifiques qui se contentent de vous faire peur et c'est tout. Là, ils ont quand même soigné le scénario, ce qui est assez rare pour le signaler. Qu'est-ce qu'il dit, le spécialiste ? Un truc qui casse le rythme, par contre, c'est les sauvegardes du point de passage. Ça, c'est juste hyper lourd. Bon, alors ça, c'est un bonus réflexe. Les réflexes, ça sert à quoi ? Bah, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le même système que dans Max Payne, en fait, sauf que là, vous êtes à la première personne et au lieu d'être à la troisième. Vous pouvez faire des ralentis. Alors, vous vous dites, oui, mais tu t'es mis en difficulté faible. C'est bon, t'auras pas besoin du ralenti pour dégommer les ennemis. Bah, vous parlez, hein. Mon cul, ouais, parce que autant les premières missions sont d'une facilité, mais déconcertante, autant quand vous avancez, les ennemis deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants, à tel point qu'on se demande carrément... Ah, ça c'est un truc qu'on peut faire, je le reconnais, c'est assez dégueulasse, hein, c'est... autant plus vous avancez dans la mission, plus les ennemis deviennent puissants et impossibles à abattre. Et quand je dis impossible à abattre, c'est vraiment impossible à abattre, hein, je ne plaisante pas. Ensuite, bah, vous voyez, le jeu est assez gore, hein, malgré tout. Donc on va continuer à avancer... sauf erreur, vous allez faire la connaissance d'Alma dans très peu de temps. Il me semble. Attention ! Roisillon, que se passe-t-il ? Terminé. On notera aussi un effet qui a été donné, un soin tout particulier qui a été donné sur les ombres, on les a vus avant. Je vais vous les remontrer. Là par exemple ça. Et c'est pas seulement vous, hein, tous les ennemis ont des ombres, alors qu'il y a certains jeux, ils se foutent pas à faire ça, quoi. Je parle pas seulement des RPG ou des RTS ou de tout autre tactical game ou n'importe quoi, il y a certains jeux, ils se contentent simplement de vous foutre. Ils se contentent simplement de vous foutre un rond de lumière sous vos pieds. Ah oui, à noter qu'on voit nos pieds aussi dans ce jeu, ce qui est assez rare pour le signaler. Hein. Il y a même des FPS récents qui ne le font pas, ça. Je noterai par exemple Portal qui est sorti après Fear, rien que pour donner un exemple. Ce qui fait pas que Portal est un mauvais jeu, mais c'est toujours agréable de voir ses pieds quand on se baisse. Quoique là, ça donne l'effet est assez moyen, assez raté en fait. Bon, si la musique pouvait bien fermer sa gueule là, l'effet est assez moyen en fait parce qu'on dirait que je touche presque le sol avec mon arme. C'est assez troublant en fait. Bon, allez, pour faire la connaissance d'Alma. Voilà. Voici Alma, la petite fille flippante en robe rouge. A noter qu'elle a aussi une version adulte, je pourrais malheureusement pas vous la montrer parce que j'ai pas de sauvegarde, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué. Et Windows 7 a effacé toutes mes sauvegardes, je sais pas pourquoi en fait. Ouais, c'est bon, je m'en fous. Allez hop. A noter que vous êtes plus puissant en coup de pied et vous êtes plus puissant en coup de pied et en coup de crosse qu'avec vos balles. Ce qui m'a toujours semblé être un peu bizarre. Mais bon. Enfin, je vais vous montrer un exemple, justement, de puissance avec le coup de pied. Là, vous l'avez vu. Oula, mais mes FPS sont absolument horribles. Je vous rassure, d'habitude, je tourne pas comme ça. C'est Fraps, hein, qui fait tout bugger dans ce genre-là. Ah oui, un autre truc dont je pourrais vous parler quand j'en ai trouvé une. Ça aussi, normalement, c'est censé vous faire flipper. C'est pas mon cas. Ouh, il a fait le grand écart, lui. Ça a dû faire mal. Allez, hop. Va t'encastrer dans un placard. Toi, va t'encastrer dans le bureau. Voilà, ça c'est fait. Ah, ils prennent vraiment des pauses, mais vraiment horribles. Ça m'en a donné des cauchemars, ça. Ah, voilà, le truc dont je voulais vous parler, les trousses de soins. Quand vous prenez une trousse de soins, ça vous soigne pas directement. Putain, désolé. Mais vraiment désolé. Quand vous prenez une trousse de soins, ça vous soigne pas directement. Vous pouvez les accumuler, vous pouvez en accumuler jusqu'à 10. Là vous vous dites, oh, si tu peux accumuler jusqu'à 10 trousses de soins, pourquoi tu dis que le jeu est super dur? Bah, tout simplement parce que les trousses de soins, elles deviennent de plus en plus rares, et puis au bout d'un moment vous en avez plus, et puis en fait vous avez tout utilisé, et puis au moment où vous en auriez le plus besoin, et ben vous en avez plus du tout. A noter aussi que faire... Putain de merde. A noter aussi que Fear est un jeu horrifique, mais pas seulement au niveau de l'image. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments dans l'image, des ennemis, Alma, Paxton, qui vous feront sursauter, ça je ne le nie pas, je ne le cache pas. Mais... je ne le cache pas. Mais, ce qu'on peut dire, tout particulièrement, c'est que la bande-son a été soignée. Je veux dire, si vous jouez avec des écouteurs,
vous avez souvent flippé rien qu'avec du son, quoi. Ça reprend un peu le même principe que Silent Hill et Silent Hill 2. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'y jouer.